Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'un labyrinthe. Pour cela, il vous faudra un couvercle de boîte à chaussures, des pailles, une bille, de la colle, une règle, un crayon pour tracer, une paire de ciseaux, et moi j'ai récupéré un bout de papier de cadeau d'emballage. Ou alors de la peinture, si vous n'avez pas de papier. Dans un premier temps, je vais décorer le fond. Donc je vais coller ma feuille de papier dans le fond de la boîte. Donc ceci. Voilà. Donc avant de commencer le labyrinthe, moi je vous conseille, c'est de le tracer au crayon. Comme ça vous permettra ensuite après de coller les pailles. Vous tracez votre labyrinthe. Une fois que vous l'avez tracé, vous dites que cela, ça vous paraît correct pour passer la bille. Vous pouvez coller vos pailles. Donc, tout simplement, vous mettez la colle sur la paille. Et vous venez suivre le trait que vous avez tracé. Vous répétez plusieurs fois l'opération afin de terminer votre labyrinthe complètement. Une fois que le labyrinthe est terminé, donc vous prenez la bille, vous la mettez au point de départ, et ça permet à votre enfant de faire rouler la bille dans le labyrinthe et d'aller jusqu'à l'arrivée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.